matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver eh bien, pour cette nouvelle semaine. Nous entamons la deuxième semaine de ce mois de mars. Nous sommes lundi 11 mars 2024. J'espère que vous avez passé un joli week-end et que vous allez toutes et tous bien. Nous allons continuer avec ce magnifique oracle angélique, ces messages des anges, n'est-ce pas ? Et pour commencer, eh bien, je vais dire la petite philosophie du matin et je terminerai par eh bien, l'affirmation positive pour cette journée. Alors, petite philosophie du matin. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien prendre chaque matin une philosophie. Et aujourd'hui, eh bien, demain est un autre jour. Si la journée de la veille n'a pas été aussi réussie qu'on le souhaitait, si des contretemps, des tracas sont venus contrarier des projets ou ont occasionné des retards, s'ils ont provoqué peut-être des disputes avec nos proches, eh bien, se dire qu'aujourd'hui, est une autre chance, une nouvelle page, eh bien, qui sera, si nous le voulons, plus belle que la précédente. Voilà la petite philosophie de ce matin. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé l'ange du rayonnement, extériorisation, vibration. L'ange du rayonnement, c'est le rire, la joie. Ris, chante, danse, exprime ta splendeur, épanouis-toi dans ta véritable grandeur. Offre-toi ainsi qu'aux autres la plus pure et parfaite version de toi-même, celle qui contient, eh bien, le berceau de ton amour. Tu sais, tu es unique. Chacun de nous, nous sommes uniques. Aucune autre personne sur terre, eh bien, ne vibre à ta façon. On t'invite aujourd'hui à ne pas te cacher, à ne plus te cacher, à ne plus te refermé comme une huître. Toi seul peux faire et être à ta façon. Tu possèdes ce don unique d'être toi-même, avec tes propres couleurs et vibrations. En plus, on te demande de rayonner. Tu as aujourd'hui, présentement, tout ce qu'il faut sur ton établi pour pouvoir avancer, pour ouvrir des portes, pour sortir de cette zone de confort, aller voir un peu plus loin, ne pas rester figé sur les acquis que tu as. Lorsque tu oses dépasser, eh bien, tes frontières intérieures et tes limites, c'est ainsi que tu découvres que ton esprit rejoint l'univers et qu'il ne connaît aucune limite. Tu sais, ta force vitale, eh bien, elle fusionne à la grande force vitale de la création. Alors, aujourd'hui, je t'invite à extérioriser ce que tu es, à extérioriser ton essence. Ton essence unique, ta beauté, ta grandeur. Et nourris-toi à ce bonheur intérieur immense. Et par la même occasion, tu nourriras les autres en même temps. Tu les élèveras.
Tu es un être vraiment de beauté infinie et indissociable de l'univers. Tu es à toi seul, n'est-ce pas, un monde d'amour, vraiment, un univers entier, parfait et unique, et aux possibilités infinies, d'où jaillit l'amour, la beauté et la splendeur. Alors vas-y, rayonne, fais ce que tu as envie de faire, sors de tes acquis. C'est le moment idéal pour rayonner et montrer ce que tu as à l'intérieur de toi. Jouir de tous ces bienfaits que tu as à l'intérieur de toi et que tu n'oses peut-être pas, eh bien aujourd'hui, ose. Arrête de te replier sur toi-même, de te recroqueviller, qu'on dit, peut-être, comme une huître, te refermer comme une huître, voilà, te refermer comme une huître. Expanse tes sentiments, ce que tu as dans le fond de toi, ta créativité, parce que tu as beaucoup de créativité, mais tu n'oses pas, tu te renfermes. C'est peut-être aussi un manque de confiance en toi. Eh bien, aujourd'hui, l'ange du rayonnement te dit, extériorise-toi avec de belles, belles vibrations positives. Waouh, quel beau message pour commencer cette semaine. Moi, ça me parle, hein, vraiment. Tous ces messages angéliques, vous savez que bon, j'ai une adoration pour les anges et que avec les 72 anges, on peut vraiment guérir beaucoup de choses qu'on a en nous. C'est le travail que je fais maintenant depuis, waouh, 12, 13, 13 ans. C'est énorme, mais voilà. Alors, je termine avec l'affirmation positive. Je célèbre mes petites comme mes plus grandes victoires. Eh bien, voilà, quelle belle synchronisation. L'expansion, extériorise-toi, le rayonnement. Je célèbre mes petites comme mes plus grandes victoires. Sur cette belle affirmation positive, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse et à demain.